imam, par miracle, devait durer toute une vie, il serait encore inachevé. Peut-être, dans cet insatiable besoin de durer, comprendrions-nous mieux la souffrance terrestre si nous la savions éternelle. Il semble que les grandes âmes, parfois, soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elles ne durent pas. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Et nos pires tortures cesseront un jour, un matin, après tant de désespoir, l'irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini et que la souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur. Thank you.
passion qui, dans la connaissance au moins, les réconcilierait enfin avec eux-mêmes, ne peut apparaître si elle apparaît qu'à ce moment fugitif qu'est la mort, tout s'y achève. Pour être, une fois,